En Géorgie, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont de nouveau descendues dans la rue hier soir devant le Parlement de Tbilissi. Depuis près d'un mois, elles manifestent contre la loi russe jugée liberticide, un texte controversé qui s'inspire d'une loi en vigueur en Russie censée lutter contre l'influence étrangère. Une nouvelle loi alors que la Géorgie est officiellement candidate à l'adhésion à l'Union européenne. On écoute quelques manifestants géorgiens. La Géorgie ne cédera pas, pas plus qu'elle ne s'écartera de la voie européenne. Pas de direction russe, ce gouvernement ne pourra pas adopter cette loi. Nous sommes venus ici dire non à la loi russe. Nous voulons être libres et nous voulons être l'Europe. De quoi avons-nous le plus peur? D'être gazé, d'être battu ou de perdre le pays? Il me semble qu'en ce moment, nous avons une peur bleue de perdre le pays au profit de la Russie et d'un gouvernement de traîtres. Les manifestations se poursuivront. Il y aura une troisième audience. Il y aura un processus pour surmonter le veto présidentiel et de plus en plus de gens vont venir ici.